Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est un vlog, ce sera le vlog de Cairns. Je suis actuellement dans un parc, c'est super mignon. Et je vous laisse tout de suite avec le début du vlog. Et puis je vous reparlerai à la fin de la journée pour vous dire tout ce que j'ai fait. Les gars, ça y est, je suis amoureuse. C'est magnifique. Genre magnifique, c'est hyper sauvage. Regardez ce que vous voyez. Il y a la mer. Ouh, j'ai pris mon maillot, mais je pense que je vais y avoir froid. On verra bien. Bird on a tree. J'en ai. Oh, encore. Oh, je dois voir une baleine. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Oh, oh. It's clear to see from up here. Bon, alors il y en a plusieurs. Ouah, si je l'attrape cette baleine, ça va pas le faire. Je passe 2 minutes, même plus que ça, en vidéo à essayer de l'attraper, et dès que j'arrête de filmer, ça va faire des gros bonds et tout. Ouh, ça va pas le faire, madame la baleine. Par contre, c'est dingue. Je sais que ça va être con ce que je vais dire, donc préparez-vous. Ça ressemble tellement. Oh, elle est trop belle. Vous voyez le sel, la baleine? Et bah, c'est exactement pareil. Ça, c'est dingue, non? Pas du tout, en fait. Bon, j'essaye de vous avoir des images. Et j'en vois, il y en a plusieurs, c'est trop. We can see it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Thank you.
Il y a un truc en même temps que je me mets de la crème sur. Genre. Ah, j'ai envie de crier et tout, je suis trop contente. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petite, j'étais red fan de dauphins. Genre, les dauphins, c'était toute ma vie. Je suis sûre que vous avez déjà deviné la fin de l'histoire. Et vous l'avez déjà vu en fait. Donc, voilà. Mais vraiment, hein, j'étais dingue de ça. Et limite, c'en était. Pas stupide, mais voilà quoi, la passion de gauche. Je pense qu'on a tous eu un animal comme ça. Et du coup, moi, c'était les dauphins. Puis plus tard, ça a été les pingouins. C'est un problème. Et en fait, je regardais, il y a des baleines ici. Donc quand j'ai vu les baleines, bah, vous avez vu ma réaction plutôt, j'étais dingue et tout. Et à un moment, je prends une photo d'une baleine. Puis je regarde mieux, je fais, c'est pas une baleine ça. Et là, je capte que depuis, enfin pas depuis tout à l'heure, mais genre j'ai vu des baleines. Et à un moment, j'ai vu un banc de requins, de dauphins. En fait, ils sautaient pas comme ça. Genre, ils faisaient des petits trucs, puis de temps en temps, pouf. Oh. Et ah, je suis tellement contente. Vous auriez vu ma tête quand quand je l'ai vu. En plus, il y avait un groupe de personnes à côté de moi. Ils ont dû se dire, mais tarée, c'est limite si j'avais pas les larmes aux yeux. Parce qu'en gros, du coup, mon rêve depuis bah, que je suis petite, c'était de voir des dauphins. Mais malheureusement, entre guillemets, c'est pas grave. Bah, j'avais jamais été dans des endroits où genre, on pouvait les voir. Et la première fois que j'en ai vu, j'avais genre 16 ans. Et c'était dans un zoo, genre où t'as des. Je suis désolée, je dis genre tout le temps, j'ai l'impression. T'as des. Comment t'appelles ça ? Des spectacles de dauphins. Et quand le dauphin a fait son premier saut dans ce spectacle, je me suis mise. Pas à pleurer, mais genre j'avais les larmes aux yeux et j'ai regardé mes parents en mode qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'en fait j'étais trop émue de voir enfin genre l'animal que j'avais adoré, idolâtré toute mon enfance. Excusez-moi. L'autre fois je suis allée chercher les clés à la réception et la fille me fait excuse-moi, mais t'as de la crème solaire là. J'ai dit ah mince. Enfin bref. Du coup, bah, je vais continuer un petit peu. J'aurais dû me mettre dans l'autre sens. Comme ça, vous auriez vu. Attendez, je nettoie bien mes mains. Regardez-moi. Ça. C'est pas magnifique. J'aime trop cette journée. En fait, de base, je devais pas venir. Je devais faire un autre truc. Genre, je voulais faire un espèce de tour au bord de la mer, comme ça, mais genre un truc organisé. Et en fait, c'était galère, genre vraiment. Il y avait plus de date et tout. Et en fait, je suis allée à la réception de mon hôtel. Et la fille, je lui demande si par hasard, eux, ils auraient encore des créneaux et tout. Et elle me dit, donc non. Et elle me fait, est-ce que. Et en gros, elle me dit, est-ce que t'as envie de faire un zoo et tout. Je lui dis, non, pas trop. On l'a déjà fait et tout. Et elle me dit, sinon, il y a une île. C'est un peu galère d'accès, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Bah, comme je vous ai dit, j'ai dû prendre un train, un bus, un ferry et encore un bus pour arriver ici. Et c'est dingue, je suis trop contente. Mais du coup, ça m'a fait presque 3 heures de voyage au final. Donc je vais pas partir trop tard parce que si je me retrouve larguée sur l'île toute seule. Donc là, j'aimerais bien aller marcher un petit peu parce que apparemment il y avait un autre point de vue sympa à voir. J'ai vu ça sur la carte. Et bah voilà, je vais remettre sur mon front. Hier j'ai mis masse de crème solaire et j'ai quand même chopé des coups de soleil. Ici le soleil il est chaud, mais genre chaud patate le pépère. Bref, ça fait 4 minutes que je suis pas pour rien vous dire au final. J'espère que ces vlogs vous plaisent. Là j'en profite tant que je peux parler et tout. J'ai pas de vidéo prévue, genre un point lecture ni rien. Pourtant j'ai déjà 4 livres à vous présenter et un 5e que je vais bientôt finir là. Même pas, un 6e du coup je crois. J'arrive, je ramasse le bouchon de ma crème solaire. Je suis désolée s'il y en a qui n'aiment pas trop les vlogs et tout. Je vous promets, attendez, je bouge en même temps pour que vous ayez un beau point de vue, mais il faut que j'ai le soleil de face. Mais je vous promets vraiment que je vais vous refaire des vidéos un peu plus normales quoi. Déjà, je pense quand je vais revenir, donc je reviens dans 20 jours à peu près, je vais vous faire une vidéo unboxing de tout ce que j'ai reçu. Ça, je sais que vous aimez bien, comme ça vous serez content. Finaliser les idées que j'avais parce que des fois j'avais des idées et j'avais jamais le temps de les finir.
retrouve pour un petit rendez-vous papotage crème solaire. Alors, juste que j'arrive à me poser genre bien. Tu sens cet échec ou pas? Mais ça va m'énerver. Je voulais juste vous dire que là c'est mon dernier jour à Brisbane. Et que ce soir je prends l'avion pour aller en Tasmanie. Je vais m'accroupir comme ça où il y a la police. Et j'ai bien aimé Brisbane, là c'est mon dernier jour, il fait super beau, donc on est là comme ça. Maman, si tu vois ce bout, je suis désolée pour ces deux ensembles. Tu sais, à chaque fois que je mets les deux ensemble, elle me dit mais c'est juste que là c'était mon seul t-shirt propre. Non, le seul plus propre. Ou alors j'en avais un bleu marine, mais j'ai mis un pantalon noir, donc ça allait pas aller, tu vois. Je voulais juste vous dire que aujourd'hui c'est une petite journée parce qu'à 4h30 j'ai ma navette qui est à mon hôtel pour m'emmener à l'aéroport. Et je sais plus où je vais. Ouais, donc là je vais louer un vélo. Oui, pour faire tous les bords de Seine en vélo. Normalement vous allez me dire, mais tu l'as déjà fait. Pas en vélo. Et en fait j'ai vu des gens le faire en vélo et ça me tentait trop. Du coup, je vais le refaire. Parce qu'en fait je vais aller. Il y a un truc que je voulais faire et je suis arrivée trop tard. Et la fille, elle m'a dit revenez le matin, on a de la place. Donc je vais essayer d'y retourner pour le faire. En gros, c'est du monde dans une tour et tout. Voilà, bon, je vous reprendrai en fin de journée pour vous faire un bilan. Et puis vous allez suivre mes aventures catastrophiques d'essayer de vlogger en faisant du vélo. Ça va être bon. Allez, update. En voulant me rasseoir sur le banc, en éteignant l'appareil, je me suis cogné le genou dans la table. Ah.